Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur TF1 aujourd'hui. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. C'est la team de pièces arrive, on est là pour dépoler les cours d'eau. Arrête de crier Charlément, on est sur le sud de la France. On est là pour protéger notre environnement, tout ça bénévolement. Si tu connais pas, abonne-toi à la chaîne YouTube et active les notifications. J'ai failli me retransperter le. Encore une voiture. Oh la moule. Pourquoi on le jette là-bas? Vas-y, ouais. Allez, moi, je vais me faire ceci. Salut à tout le monde. T'as pas trouvé une clé? Non, j'ai pas trouvé de clé. Là les amis, on est sur une énorme pièce. On est obligé de tirer à 4. Il y a des grosses bulles qui sortent de l'eau. Donc on essaye, on y retourne. Bon, bah, on peut réessayer encore alors. 1, 2, 3. Oh non. Allez, le palan. On va sortir le palan. C'est dur. On va sortir le palan, on va le déplier d'abord le palan, je vais faire ramener dessus. Là, c'est tu peux mettre un truc sur la barrière. Non, là c'est bon, ça craint pas. Bon les amis, on est sur une grosse pièce là, bien lourde. Popeye est allé chercher le palan parce que sinon on pourra pas la sortir. Donc là, ça y est, on a installé le palanqui ici. Et c'est Kevin pour une fois qui va s'en occuper. Salut Laurent. Donc vous voyez, la corde elle est ici. Là, on commence à avoir des bulles. Un peu plus loin par là. Ici là. Décale-toi un peu. Pour le dévaser. Vas-y, pour voir. 1, 2, 3. Hop, ça y est, on commence à voir bien les bulles là. Besoin d'aide ou pas? Ouais. 1, 2, 3. Ah, attends. Ça bulle là-bas. Oh les gars, alors je sais pas ce qu'on a sorti. Mais ah ouais, ça bulle ici jusqu'à là-bas. 1, 2, 3. Et okay. On remet le palan, vas-y, je garde la. Essayez de raccourcir la corde. Ah, ça a l'air de venir. Là, on le lève, mais après on n'arrive pas à le faire venir. Mais moi je vais vous aider d'une main. Oh, les boules. Ouais, c'est bon. Ça vient. Allez. À 4, ça vient. 1, 2, 3. Champ pleuneux, ouais. 1, 2, 3.
C'est une moto. Je vais c'est reposer. Possible. Vas-y, vas-y. Attends, je vais vous reposer. Et je vais aller les aider. Allez hop, voilà ce que vous voyez bien. Hop. Apparemment ça serait une moto, je vais les aider. Ils s'en sortent pas tout seul. Je vais redéfaire un peu le ballon. Elle est belle. Le monstre. Je crois que c'est encore une arlée les gars. Deuxième arlée. On nous voit bien la caméra? Oui. Ouais, on tire un petit peu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attends, là, elle monte plus là. Elle monte plus. Et je me demande même, laisse-la là au renfort, mais je crois qu'on peut pas, je pense qu'on peut continuer à tirer, les gars. Tu veux le frapper, mais moi là. Ouais, d'un coup, c'est pas étonnant, ouais. Allez, gros. Je sais pas, si vous la voyez la moto. Oui, elle est juste là. Ah ouais, mais attends. Ah, tu voulais lever un tir? Non, mais il faut tout le monde tirer en même temps. Moi, je voulais lever un tir. Un petit peu. Tu tires quand même ici ou pas? Voilà, comme ça, vous voyez la moto et nous en même temps. Avec un deuxième grappin, on attache l'autre pneu. Ah, ah. On la fait monter en travers. Je vais la monter là. Putain, elle est morte. Tenez-moi. La 3, non, la corde, tiens la corde. Vous me laissez descendre tout doucement avec la corde. On n'a pas un autre grappin. Eh ouais, j'ai le mien. J'ai la mienne. Laissez-moi descendre un peu. Tirez la corde parce que je vais m'appuyer dessus. Allez, on va essayer comme on a fait de la faire glisser ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et deux à l'autre et deux ici, non? Non. Ah, mais et on peut monter les deux en même temps. Là, il faudrait l'entourer là-bas. Il faudrait la garder comme ça, remonter un peu le palan. Et ensuite recommencer comme ça. On appelle le temps. Ah oui, mais on va bien vite. Ouais, c'est pas grave. 1, 2, vas-y toi. Je ne comprends pas. Ça c'est cool. Oh les abonnés. Voilà. Un abonné qui habite dans le coin. Qui nous a vu galérer. Donc il est venu nous aider. Je vous donne aide. On arrive. Salut Kevin. Salut. Bon team. T'as vu comment elle est partie?
Vous êtes à deux là-dessus. Anthony avec moi là-dessus. 1, 2, 3. Voilà. Par là. 1, 2, 3. Et une Kawasaki, je l'avais dit. Merci les jeunes. Ah oui. On essaye de la lever et de la mettre contre, contre là. Là il y a la poignée là. Attends, je vais. J'enlève mes mains. On va voir. T'as pas fait. Ouais, je vais faire ça, je filme. Si je prends le grappin. Tu prends le guidon. Et je pense qu'il y en a une deuxième alors hein, du coup les gars. Ouais je pense. Le grappin, je l'ai mis. Mets deux là, la moto on va essayer de la mettre, de la glisser ici. Deux. Ah. Bon ben voilà, et je suis vraiment dégoûté que ce soit sur Facebook, enfin au moins il y a une preuve déjà, mais j'aurais tellement aimé la voir en vidéo YouTube celle-ci. Ouais. Donc, ah ben il redémarre, c'est bon. Ouais c'est bon. Enfin, tu vas passer au point mort, il redémarre. Bon ben les gars, on va la lever et on va vous montrer ce petit bijou. Tu veux que je prenne où? Ben là, ouais, il faut pouvoir la lever les gars. 1, 2, allez, 3. Bon, elle a fait son temps, hein. Il n'y a plus la plaque d'immatriculation. Ouais, c'est volé. Mais de toute façon, on va appeler la gendarmerie. Il doit bien voir les numéros quelque part. Bravo, les gars. À bientôt, l'ouverture d'une concession. À force, ouais. On en est à notre quatrième moto. C'est pas mal. C'est pas mal. Plus, sans compter tous les scooters qu'on a sortis également. Ah, la Ducat, c'était. Ah, plus belle. Ouais. La plus propre quoi, ouais. Une Kawa. Tiens, la rétro, on peut l'utiliser, c'est bon. Hop. Alors, hein, moi je suis pas connaisseur de moto, mais s'il y en a qui reconnaissent le modèle exact. Hein. Voilà. Une moto toute équipée écolo à vendre. Elle fonctionne à la vase si ça vous intéresse. Je pense que tout est mort. Hein. Oh, regardez, tous les compteurs sont. Tous les compteurs sont ouais, défoncés. Mais bon, il faut en vouloir pour jeter une moto à l'eau. Hein. Ouais, c'est bien. Bah, bah oui, elle est volée, hein, c'est obligé. Hein. C'est obligé. Donc là, hein. Donc là, on a les gendarmes qui sont là. Ils sont avec Popeye. Popeye est en train de s'en occuper, donc obligé de mettre les masques. Et ils sont en train de relever les informations là-bas. Il y a deux jeunes qui nous regardent et qui me disent qu'apparemment, il y aurait peut-être d'autres motos. Il y en a tout le long, donc on va essayer. Autant, comme je vous dis, hein, autant on est bloqué sur une moto là encore et on va essayer de voir ça. T'as pris ton jouet, hein? Okay. Avec ce grappin là, pas besoin d'aller à la salle, je vous le dis. Je sais pas combien il pèse, il faudrait que je le pèse un jour. Hein? T'as oublié ton jouet? Non. Fais gaffe, il y a des vélos là. Va pas écraser le vélo des abonnés. Ciao! Oh putain, ouais! Qu'est-ce que t'as cassé encore? Ouais, je sens des trucs au fond de l'eau. T'as le plot pour le ramener aussi? Ouais, le plot, ça va être galère. Hein. C'est à l'aimant, je crois pas. Ah, l'aimant, non. C'est du plastique. Si je fais un nœud autour. Hop là! Ça vient? Ouais. Putain, encore une moto les gars. Ah, une moto encore. Est-ce qu'il en reste? T'as besoin d'aide? C'est bon, elle est là. Ouais. Encore une moto. C'est le coin des motos ici, les amis. Regardez ça. Encore une moto. Celle-là, elle est vieille, con. Ouais, celle-là. Il reste plus grand-chose dessus. Hein. Popeye est venu en moto. Non, non, la sortie de l'eau. Hein. Donc après, voilà. Cette grosse pièce de bagnole.
un fauteuil aussi, donc là on l'a mis à l'envers pour qu'il sèche comme il faut. Et là je viens de sortir ce cadre de moto. Donc moi j'y connais rien, mais il y en a qui vont sûrement reconnaître la marque. Alors, le réservoir là il est complètement bouffé, mais si on se met de ce côté. Ah, peut-être une Suzuki, je sais pas du tout, hein, j'y connais rien les amis. Bon alors. J'espère qu'il y a ton aimant. On va le voir, il brille. Au pire, c'est pas grave. Hein. Il est pas ah, ouais, d'ailleurs, on s'accroche. Regarde la caméra si, si ça filme. Bouger un peu. Bon. Cadreur. Bon, je vois pas ton aimant déjà. Il n'y a pas d'aimant. Attention à toi, on le lâche. On sort un truc, il n'y a pas d'aimant. T'as vu tous les bouts de voiture? Attention. Oh putain, ouais, il y a un téléphone. C'est à qui ça? Toujours à faire quoi le téléphone? Ah ouais, oui, c'est une voiture. Hein, t'as déjà fait voler un aimant. Assurance, ouais, peut-être. Golf 2. Golf 2, on va voir. Non, le phare là. Ah, le phare. Non, golf. Golf 2. Au niveau du phare triangulaire, quand t'as comme ça là, c'est pas. C'est arrière, non c'est... Ah oui, c'est arrière. Non, golf, oui. Et ça, c'est golf. Ah, c'est golf, c'est pas. 2, on dit apparemment. Donc là, voilà. On a la dépanneuse qui vient d'arriver donc pour nous sortir cette moto. Vous voulez que la moto, on la fasse passer de l'autre côté là? Vous voulez qu'on la fasse passer de l'autre côté? Avec le plateau par-dessus, ça passe? Ouais, oh, nickel. Ça m'arrange. Là, j'avais pas vu. Bon. Alors, elle va être un peu malmenée pour être ramenée sur la remorque, mais bon. Vous comprenez bien que dans l'état où elle est, de toute façon, elle est morte. C'est ça qu'il nous faut pour les sortir de l'eau, hein? Regarde ça. Trop facile. Trop facile. Hein? J'aurais pu le faire comme ça aussi. Profitez-en là, faites des screenshots. Faites des screenshots les amis. Regardez ça. Et voilà, sur la remorque, emballé, c'est pesé. Et voilà les amis. Ils prennent que la moto? Ouais, ils prennent que la moto, le reste ils en veulent pas. Même le cadre là? Je sais pas, je vais leur demander, ouais. Alors attendez. Messieurs? Il a pas entendu? L'autre moto, il la prend aussi ou pas? Non? Ah si c'est possible, ouais, parce que nous avec le petit fourgon, on n'y arrivera jamais à tout faire.
Non, à ce moment-là, on va tout vous rassembler à un endroit alors. Sinon, ça va lui rester sur les bras, il n'y a pas d'identification possible. Ouais. Bah alors, on rassemble tout à un endroit alors pour la commune. Okay, super, merci à vous. Donc voilà, vous avez entendu. S'il y a des gens qui viennent voir le spot et qui voient tous les morceaux qu'on a sortis encore au bord de l'eau, c'est normal, on les laisse volontairement parce que la mairie va venir les chercher. Ils vont contacter la mairie et ils viendront les récupérer. Voilà, sur ce les amis, ce petit live se termine sur ces belles vidéos, sur ce beau remorquage. Donc voilà, je disais, je vous remercie d'avoir suivi ce live, d'avoir été aussi nombreux, de l'avoir partagé. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et merci encore à vous tous d'avoir été là. Ciao, ciao.